Ah, ouais, Lida, mais la prochaine fois, quand vous faites un commentaire, faites-le dans le bon sens, parce que si je comprends le mauvais sens, je réagis. Voilà. Donc, si vous voulez, on revient au vif du sujet. Vous n'avez pas à avoir peur ni du Maroc, ni des manigances n'taou. Mais maintenant, je suis certain qu'il faudra lui casser la gueule un jour ou un autre. Et c'est à court et moyen terme. Il faut qu'il dit darba, il chfa liha jusqu'à 300-400 ans. Oui, il faut frapper très fort. Mais très fort intelligemment aussi. Je crois que le peuple marocain a le droit de savoir qu'il est amazigh à 100% et qu'être gouverné par des Arabes, c'est inadapté et inadéquat. Il est colonisé par un roi et sa famille qui ne sont même pas amazigh, qui ne sont même pas marocains. Donc ça, il faut que le peuple marocain le sache aussi. Et on peut faire une bonne publicité là-dessus et financer égal à hauteur de 500, 800 millions de dollars. Créer des médias rien que pour ça. Par exemple, c'est une forme de guerre, c'est la guerre médiatique. Et donc, il n'aura jamais. Et même les parties qu'il vient d'occuper, il faut qu'il les quitte. Parce que c'est un roi, mais il faut qu'il les quitte. ماشي حنا ماشي الجزائر اخي عطينا حنايا ماشي الجزائر مي الصحراء ما لازمش يسكتوا سي تو كاين فيها وفيها 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 مي سكي سور جو فوز اسور كو ميزا بار شنقريحه وتبون يا لو روا دو ماروك هذا قسما بالله غير نهبطوا له السروال ا اون فيتاس اكسترا اوردينار ديجا موش لابس السروال يلبس قندوره كيما الحرب اللي بدات في الجزائر Le royaume des Alaouites a toujours eu des vues sur l'Algérie. Yani hadou li smihom drak al Maroc, hiyatom bkoul, houma a chaque fois tban lhom fi rasanhom, yhabou yediou des terres fi l'Algérie. Douk ja l'waqt nhabsou l'hikaya ta l'khorda hadi, w nerjouhom la taille ntahom. Oui, c'est vrai. Ils ont évolué sur le plan des services, de l'économie, de l'agriculture. Ça, c'est une chose. L'art de la guerre, ils ne le maîtrisent pas. Nous, on maîtrise l'art de la guerre. Eux, ils ne le maîtrisent pas. Nous, on a les couilles de nous battre. Eux, ils ne les ont pas. Nous, on a participé à toutes les guerres. Eux, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a jamais forgé quoi que ce soit, de devenir un forgeron du jour au lendemain. Même Israël, l'Ijabha, elle n'a jamais fait ses preuves sur le plan militaire sans les alliés, sans l'Américaine et sans France ou l'Église. Israël à elle seule. Ça, c'est exact. Ouais. Voilà, bravo. Donc, le khorti hada, la propagande hadi, la publicité hadi, ne sert pas à grand chose qui te fait le qbaha ou le corps à corps. Ben écoute, tu m'as dit, je ne sais pas si tu es un homme qui fait le safi, il dit que le haïa est un homme. C'est tout. C'est pas permis à n'importe qui de finir à la baïonnette, avec une baïonnette. Exactement. Pire que ça, tu ne peux pas réduire un peuple de révoltés révolutionnaires dans le sang. De guerriers dans le sang. Oui, même les femmes sont guerrières, Fidzer. Ça, c'est des guerrières. D'ailleurs, c'est elles qui donnent plus de courage aux hommes quand elles se mettent en avant. Annie Goutselek, oui, les femmes, elles sont guerrières, Fidzer. Ça, Moukatilat, Fidzer. Et l'histoire le raconte. C'est pas moi qui le dis. Les femmes en Algérie. Jamais. Ahmed, des femmes ont mené des combats contre France. Oui, tout à fait.
ما تقدرش تغلب ان بابل كيما هذا، محال، مستحيل مستحيل. 132 ans de colonisation, il a suffi d'un réveil et des gens qui en sont décorés par l'armée française derrière une révolution. Allah galb, khanou tahanin politiquement. Bon, la politique, c'est un peu, si tu veux, assez délicat parce que là, je ne sais pas. Mais si le peuple algérien, Chab al-Jazairi, avec le cœur, le qalb al-muqatil n'ta'ou, بلوس غدوة عنده الوعي السياسي الله ما حكم فيه غير رب العالمين. Seul Dieu peut mettre une limite à ce peuple. Et tout le monde le sait. من فرنسا وجبد الاسبانيول القاع وش حبيت. Tout le monde le sait. كما قال لهم واحد في un long métrage des années 60 قالوا les Marocains c'est des bergers, les Algériens c'est des guerriers. Wesh toutouma un berger et le benguerrier. Jamais. Des bergers resteront toujours des bergers. Des guerriers resteront toujours des guerriers. Elle a dit qu'on ne fait au fait, parce qu'on n'a pas assez d'emplois dans l'art de la guerre. Comme je disais, on a dit que les Algériens, normalement, on les forme en milice ou on les crée. Là où il y a une guerre, on les crée. Ça marche très bien. Je souhaite répondre à Samer Samer, qui vive les juifs contre ces pseudo-musulmans. Samer Samer, je n'ai pas de problème avec les juifs. Je n'ai pas de problème avec les chrétiens. Je n'ai pas de problème avec les bouddhistes, ni les animistes. Je n'ai pas de problème avec les religions. Par contre, le sionisme politique, c'est un problème. C'est tout. D'ailleurs, c'est un problème, même pour certains juifs orthodoxes. Le sionisme est un problème. Là, on parle de politique, d'alliance. Il ne s'agit pas de religion. Le sionisme est une idéologie et non pas une religion. C'est une politique. Le juif, c'est une religion comme une autre. Là, on parle de sionisme, d'un État sioniste, invasif, tout simplement. SVP Samia, Israël reconnaît les Kabyles. Bon, je m'attends, Israël reconnaît les Kabyles au Sogada, je préfère vous supprimer direct, parce que vous n'êtes qu'une bande de connards. Déjà, Israël, il faut qu'elle ait la sécurité nécessaire et la reconnaissance. Il y a un de ces jours, trop une idéologie m'kouda dans le monde arabo-musulman, et vous allez voir, je dirais Israël. Donc, Israël, comme dit, elle ne pèse rien du tout. Mis à part les manigances, les alliances avec l'Américaine ou avec l'Europe, mais il y a fait de ça, il y a fait de ça, il y a la technologie. Je vous dis, si l'Israël est d'Aki, si l'Israël est d'Aki, si l'Israël est d'Aki, il y aura une chose d'Aki. Qu'est-ce que vous avez fait?